Bonjour à tous les belles gosses, bonjour à tous les beaux gosses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve sur la version globale de Dokkan Battle pour aller chercher les DS, parce que voilà, avec une DS j'irai pas très loin. Je suis en saga de sel, non, je suis en saga de sel pour le Battle Road Cyborg. Je n'ai pas de lead, comme tu peux le voir, j'utilise le C16 P1. J'ai oublié de faire les choses, oui, ça arrive. Et je vais compter surtout sur lui. Lui, il a Terem Karin. Hein. Ouh là 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 là. 10 Gentleman. Ah ouais, ça fait plaisir ça. Ah oui, en plus, il a mis du stuff critique plus 3. Ok, ça c'est pas mal, c'est pas mal. Ok. Bon, alors, rotation 1, bah lui, plus. Je pense avec celle première forme ou avec celle-là. Et seconde rotation, les deux. Voilà. Bon, c'est parti, le petit pouce bleu soutien, le petit abonnement sur YouTube. Et on va voir ce que ça donne. Oui, vous pouvez désactiver le mode sub only, je pense. Les enfants sont couchés, les broudeurs sont là. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, les broudeurs. Je vous propose régulièrement d'autres types de contenu, donc n'hésitez pas à passer. Donc on va essayer de le down, oui. On va essayer de le down. Avec un peu de chance, il va activer la garde. Sinon, je suis dans la sauce. 77 000. Je suis à contre-type là. Je vais peut-être faire ça. Ne prenons pas trop de risques. Bon, lui, l'ISP1, donc je vais rien faire. L'ISP1. T'ISP1, bah, tu sers à rien. Tu regardes les autres jouer. Allez, mon petit sel. J'ai pris 7 aussi sur de qui. Quoi, c'est tout? Ah oui, d'accord. Je crois que je vais dégager les cyborgs C17, C18 de la rotation là. Ah, ça va pas aller là. Ça va être compliqué. Oui, 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 ça va être compliqué. 3-6, ah non, il en manque un. C'est dommage. C'est dommage. Les deux miskins là. Bon, en même temps j'ai que 100 aussi. Bon, j'ai pris ce que j'avais. C'est voilà, 2 millions. On va compter sur lui hein. Normalement, ouais, demain je pourrais. Demain un poivre. Oh, merci beaucoup Lionheart. On a toujours pas tué un seul. Je sais pas si c'est rassurant en fait. Ouf. Je suis extrêmement content, Zen. Oui. Celle va devoir se transformer, je pense. Sinon, comment vous dire que ça va être galère. Delta Carnage. Non. Ah, puis, je suis tellement pas bien là. Je suis tellement dans la sauce. Allez, faut que celle se transforme. Deux items pour le premier run. Comment vous dire que. J'aurais peut-être dû prendre celle tech. Celle tech m'aurait fait mal. J'en ai tué un les gars, j'en ai tué un. Y'a moyen de remontada. Je crois que durant ce run, je vais activer deux fois le Dokkan mode. Vu comment c'est parti. Allez, double de SP, normalement le mini-cell. Double debuff.
Ouais, alors, oui. Alors eux là, c'était pas un bon choix. En même temps, ah non, c'est lui qui se mange l'aspect, non. Ah. What? Il est solide? Mais non. Alors là, il m'a surpris. Non, je me suis pas transformé. Ah merde. Faut que je tue le int, sinon je suis dans la sauce. Allez. Il y a peut-être moyen. Si on tue un deuxième. Faut juste que celle, il nous carry comme il se doit. C'est vrai que j'arrive à activer la... sa transformation à lui, là. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. C'est ça qu'on veut voir, tu vois. Allez, petite ponction. Le double ponction, encore mieux. Dans la calotte, tac. Stouk. Voilà. Ah. 102 000. Bon, si je mange une spé, c'est vraiment... Si vraiment je mange une spé, c'est que vraiment... C'est que vraiment, ils sont pas gentils. Ah, je crois que je suis dans la sauce là. C'est vrai que tu crites, hein, sinon ça va être compliqué là. Aïe aïe aïe. Ah, celle, faut que tu te transformes, frérot. Oh, il y a proc l'attaque. Il y a proc l'arbre. Petit mini-cell. Mini-cell, il nous carry quand même un petit peu. Hein. Du coup, on l'a bien debuff lui là. Normalement, C18 devrait ne ressentir. On a quand même senti un peu. Ouf, oh là, la patate qu'elle a mangée là. La calotte. Oh là non. On va faire ça du coup. Non, lui, on le termine. Tac. Tac. Oh non. J'avais pas vu. Bon, j'ai pas fait exprès. Lui, il est combien lui? 60 000. Qu'est-ce qu'il fait lui de nouveau? Attaque 1. Attaque 1. Si c'est 18, t'es dans la même rotation. Attends. Ah. Il faudrait que je le mette à côté de... Ah non, ils sont pas dégueux en fait. Je vais les mettre dans la haute rotation. Je vais les rapprocher les deux. En même temps, ils font pas beaucoup de dégâts. C'est ça qui est un peu problématique. Bon, je pense que la jauge d'Okan, elle va être remplie au prochain tour. Ça va être galère là. C'est pour 6DS, hein. Les bons dégâts, les très bons dégâts. Peut-être faire ça plutôt. On va essayer de remplir la jauge d'Okan, tiens. Comme ça, au tour prochain, direct en Dokkan mode. Comme ça, il y a peut-être moyen de. De one shot la deuxième phase. Battle of Cyborg, ouais. Bon, triple debuff. Non, double debuff au moins. Ça devrait bien se passer. Les RCL le termine. Ou sinon, je temporise en fait. Faudrait que je remplisse la jauge. Ah, j'ai peut-être temporisé. On va essayer de ne pas le tuer.
Ouais, on va essayer de pas le tuer. Ok, je vais essayer de pas le tuer. Je vais me soigner. Tac. Par contre, celle déconne pas. On est d'accord, celle. Hein, tu proques pas l'attaque sup. Ah, fais pas le con, frérot. Ok, c'est bon. On se soigne, hein. On se soigne comme on peut, les amis. Stook. Hop là, ça dégage. Bon, par contre, vous le tuez pas. Hein. Comme ça, derrière, on le tue. Et comme ça, la prochaine rotation, ça, il l'attaque en premier. C'est lui qui active le Dokken Mode. Et là, on est bien. Là, c'est solide. Ok. Ne prenons pas les items de notre couleur. Là, ça passe. Et là, ça passe. C'est bon. Là, on est bien. Là, c'est carré. C'est préparé. Il est dead. Celle derrière va le terminer. Enfin, ce celle va le terminer. Et derrière, le Dokkan Mode qui arrive. Un combat Dokkan Mode. Tu sens... Est-ce que tu sens le DPS de la team? Tu le sens ou pas? Moi, je le sens fortement. Et en plus, c'était 4. Hein. Ah là, ça va être 2. Aïe, 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 aïe. Aïe 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 aïe, caramba. Oh non, les qui? Oh non. Attends. Alors celle. Là franchement, fais pas le con. Oh, faut que tu crites, frérot. Là tu crites, tu les envoies dans l'espace. Dans l'espace sidéral. De la sidération. Ok, ok, ça passe. L'attaque sup peut-être pour se soigner. Non, ok. Bonus Froggy. Allez, ça va passer ça. Oh, bordel, pourquoi j'ai anticipé? C'est bon. Maintenant, le sel 100% avec le lien Junkleman maxé. T'as intérêt à envoyer la bonne sauce, hein. La bonne sauce sur Kmam, là. Allez, un bon petit crit là. Trop rapide. Non, mais j'aime bien anticiper. Mais... Oh! Ah, oh, c'est dommage qu'il a pas crit. Ah, oh, j'aurais pu. Oh, je fais tellement pas de dégâts qu'il reste un trait. Non. Ah, la garde activée. La garde activée qui va nous sauver. Oui, très bien. Ah, le seum. Ah, j'ai le sel. J'ai le sel fort là. Ah, j'ai le sel bien fort là. Allez, je vais te faire ça. Comme ça, sel int va prendre tout ça. Elle va partir en split team. Et toi, tu dégages. Comme par hasard, t'as crit. Ah, double SP. Non, j'ai rien dit. Le mini-cell va le debuff. Deux fois minimum. À la limite, je pense que ça aurait été peut-être plus rentable de Dokkan Mode la troisième phase. Je crois qu'ils sont nombreux. Ouais. Oh, le mini-cell, il régalade les amis. Il régale très très bon, très très bien le petit là. Allez. Là tu le Owalida comme jamais. Ah non, il en manque un je crois. Ah non, ça passe. Allez. On se soigne. Ah, par contre est-ce que je le tue ou pas? J'aimerais bien, je veux y croire, mais j'ai... Allez, cascade, on va pas claquer un item alors qu'on est full life, cascade. Si on le tue pas, j'avoue que là on peut mourir là. Oh, il a crit, il a pas tué, non!
Bon, on va récupérer nos... on sera full life, mais on va prendre tellement cher. Oh, il lui reste un traîneau. Oh, lui, il va prendre cher. Quoi? Ah oui, c'est vrai qu'il a été debuff, mais oui, bien... Évidemment, j'avais oublié ce détail, il a été debuff. C'est pour ça qu'il fait plus de dégâts. Bah, tu es mort. Tu es mort, cher monsieur. Non, ça va, j'avais oublié ce petit détail, il a été salement debuff par le petit sel. Petit sel, mais petit à petit, il deviendra fort. Quand il passera ZTR, il sera solide. Là, il est sympa, mais ZTR, il sera très très solide. Bon, bah... Pour l'instant, tout se passe presque bien. On a encore pas mal d'items. Maintenant, il faut tenir. Là, il faut serrer les fesses. Les fesses comme Jaja. Lint. Faut que je tue le Int. Parce que j'ai pas mal de verre. Oui. Un petit item. Ah ouais, j'ai plus qu'un. Ah oui, non, en fait, je suis pas si bien que ça en vrai. Je vais faire ça. Je suis pas si bien que ça. Faut que celle, il faut qu'il lâche des gros crits là. Ok, ils ont pas beaucoup de PV. Moi, je fais tellement pas de dégâts. What? Ah oui, je suis à contre-type. Hein. Ouf! Attends. Il est de type puissance? Et j'ai pris aussi cher? Ah ouais, oh là, ça va être chaud là. Aïe aïe aïe, caramba! Ah. On va faire ça. 30. Putain, lui il est tellement chipsouné. Bon, tu sais quoi, on est obligé de faire ça. On claque tout. Faut qu'on arrive à faire tomber un maximum de paquebots là. On va laisser ça à sel. Chaque contre-type ici, ça peut être un peu dangereux. Pff, ça va. 14 mutis sans détecteur. Ah ouais, ce genre de... Ça fait mal, ça. Le 11 fait... Ah ouais, je sais, mais il fait pas beaucoup de dégâts. Je préfère faire tomber un rapidement, comme ça, sur plus que deux. Donc ça nous fait potentiellement une spé en moins à manger. 14 mutis sans détecteur, j'avoue que ça fait mal, quand même. Mais il régale, lui. Comment ça se fait qu'il fait triple spé comme ça, à chaque fois, là. Mutissière, là. Eh mais lui il part en spé à chaque tour, ça se passe comment là? Oh, tu commences à me saouler toi. Allez mon petit gars, tu le termines. Là tu le termines frérot. Tu le walidas. Juste ça. Toi vu que tu fais pas de dégâts, tu vas juste faire ça. On laisse ça pour celle puissance. Plus il prend des cailloux, plus il tape fort. Non, dès que, enfin, il faut juste lui en donner 6. Là, si on arrive à en tuer un, ça serait cool. Allez, mon petit sel, un petit crit là. Oh, c'est dommage, il est à 100%. Qu'est-ce qu'il branle? Voilà, tristesse des dégâts. Garde activée. Ah. Non, pas de garde activée. Voilà, tu le pulvérises, s'il te plaît. Finaise, on va jamais s'en sortir, non. Ouais, j'ai plus d'items.
Aïe aïe aïe. Je crois que ça c'est beaucoup mieux. Dégâts encaissés moins 30%. Aïe 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 aïe. Ah, mon sel. Mais tuez-le, il lui reste un trait. Il a combien de PV ce... Ah, il est mort. C'est bon. Sur plus que deux. Lui, on va, il va manger masse des buffs. Ça va le calmer. Tout à l'heure, il part en spé, lui, non. Comment ça va gaver? Il commence à me gaver, lui, non. Allez, missile, comme tout à l'heure. Comme tout à l'heure, trois attaques spé. Allez, petit. Mon petit. Troisième. Ah, c'est dommage. On voit que le Miu Miu, il part en spé. Ouais, le crit, c'est mignon. C'est mignon, ces crits. C'est mignon, ça fait pas dégâts, mais c'est mignon. Ok, la selle. Ça. Parce que là je partirai pas en spell team. Hein. Putain, chier. Ah tant pis. Bah c'est tout ce qui me reste. Ouh là 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 là. Allez, on y croit. C'est tout ce qui me reste, les amis. Eh mais lui, il me gave hein. Eh c'est le mec qui part en spé depuis tout à l'heure. Docteur Mew. Enfin Docteur Mew Mew là. Il peut partir en spé mais lui, depuis tout à l'heure, il me cherche lui là. Il cherche la merde. Punaise, il peut pas mourir. Tu rideau, ah bah rideau il veut pas mourir là. Ah, ça c'est cool. On récupère quasiment tous nos PV. 30%. Ouais, on est full life. Ok, là on a l'avantage du team. Là faut qu'on en tue un là, sinon ça va être la galère là. Attends, la mini de life c'est tout. Mais il faut qu'il meure lui là. Comment ça me gaver moi. Putain, j'ai du rouge là, j'ai du violet, mais si je fais ça. 3, 6. Faut que je sépare le rouge là. Allez mon petit sel. Allez mon petit sel. Allez. Double crit. Aïe. On peut compter que sur les mini-cells hein. La mini-cell. Allez mon petit cell. Triple SP. Ah il va presque le tuer. Ah c'est dommage. C'est dommage. Ah comme par hasard il part en SP maintenant. Ce vieux moustake là. Oh, il va pulvériser l'enfoiré. J'espèce d'enfoiré. Oh là 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 là. Oh, in the sauce. In the sauce. Oh punaise, s'il part en spé sur la blondie, je suis mort. Oh punaise, c'est pas possible les gars. Ah je suis mort. Punaise. Ah je suis dégoûté. Il a pas été debuff l'autre, il va me faire super mal.
Oh, il lui reste un trait. Oh, j'y crois pas. Faudrait qu'il double SP. Oh, s'il te plaît, double SP. Oh, s'il te plaît. Allez, mini, celle, première forme. Oh non! Oh, j'ai trop ça. Non, faut que tu survives. Survie. Double SP, à la limite, prends un autre stack. Oh, double stack. Double 20%. Ma femme. Ma femme. Oh! Oh, la double SP qui a peut-être. Alors là, les amis, est-ce que je survis? Oh non, je suis pas sûr de survivre. Là. Oh non. Je suis pas sûr de survivre sur une auto-attaque là. Il a pas été debuff. Je mets qui, les gars? Je mets qui? C17? Vous êtes sûr? Allez, j'y crois. Ah, je suis pas sûr du coup. Là, j'y crois moyen là. Non, mais de toute façon, je. Attends. Ouais, c'est ça, avec un carnage. Il est pas debuff du tout. Regardez, il est pas debuff du tout. Aucun. Là. Ah, Attends, j'ai plus rien, là. Il faudrait qu'il parte en spé pour prendre un stack. Sinon, je fais ça, je prends ça, je pars en... Donc si je récupère 10%, c'est 40 000, je survis peut-être à... Ou sinon je mets mini-cell. Je mets mini-cell, il debuff et je suis en théorie sûr de survivre. Ah oui, s'il prend en SP, c'est fini. Les gars, c'est fini. Mini-cell sur l'auto, il va prendre 27 000, puis ensuite il va debuff. Mini-cell plus double debuff. Ah, punaise. Allez, mini-cell. Hey, mini-cell MVP. Mini-cell. MVP, s'il te plaît. On croise les doigts. Utilise un objet. C'est bon, je les ai tous utilisés. Je préfère pas regarder, je regarde pas. C'est cette pute qu'il fallait mettre. À contre-type, tu crois qu'à contre-type, j'aurais survécu? Ah, punaise. Ah, j'ai le... Ah, j'étais à la fin. J'allais survivre à ça, celle se transformer derrière. Bon. Ce combat a été... exceptionnel. Mais l'issue a été... Non, Rildo, il m'a mis au fond. Rildo, il est parti. En fait, Rildo, comme il n'a pas d'éveil en TUR, à chaque tour, il m'a spé. Alors que je suis pas développeur. Moi, j'y peux rien, moi, qui n'a pas de TUR. Moi, j'y peux rien. Ça sert à rien de me focus. Ah, j'ai le seum. Ah, j'aurais survécu là. Celle se transforme. Il me soigne à 100% et je le one-shot. Ah, c'est joué rien. Bon, bah, les amis... ce soir, je vais finir avec une DS. Hein. Je crois que c'est le destin qui m'a dit non, reste à une DS. Tu mérites pas d'aller plus loin qu'une DS. Donc voilà. Bon, bah, le petit pouce bleu de soutien, le petit abonnement sur YouTube. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch, les amis.
Je vais passer ZTR C17 et C17 et C18. Donc l'intelligence et le puissance. Je crois que c'est le puissance l'autre. Ça sera un peu plus intéressant en termes de survie. Ils auront plus de stats. Et plus, ce sont des changeurs de ki. C'est vrai que j'ai pas pensé à ça, mais j'aurais dû les ramener en fait. C'est des changeurs de ki. Ça aurait été beaucoup plus facile. Oui, je pense. Bon, sur ce, voilà, abonnez-vous, le petit pouce bleu. Et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, les amis. Le lien se trouve dans la description. À très bientôt.